Bienvenue à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Équilibrez-vous. C'est un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super intéressant, qui est le sujet de l'intestin irritable. Et pour en parler avec moi sur ce podcast, je ne suis pas tout seul, je suis avec Marina. Bonjour Marina. Bonjour Wilfried, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Avec plaisir. Donc, on va te présenter d'ici quelques instants. On va parler, donc, comme j'expliquais, du syndrome de l'intestin irritable, qui est un souci qui touche beaucoup de personnes et qui est un peu compliqué. Marina, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, rapidement, moi, je m'appelle donc Marina, je suis naturopathe et professeure de yoga spécialisée dans les troubles digestifs et plus particulièrement le syndrome de l'intestin irritable, donc via les consultations, les accompagnements et les cours de yoga aussi. Je fais mon maximum pour aider les personnes qui sont atteintes de ces troubles à comprendre pourquoi déjà ces symptômes sont présents et comprendre un petit peu mieux leur corps et savoir quoi mettre en place et trouver l'hygiène de vie qui leur correspond le mieux pour vivre une vie un petit peu libre de ces troubles digestifs. Ok, très bien. C'est un sujet qui est passionnant. Enfin, l'intestin, moi, j'en parle depuis des années. Et c'est vrai qu'on va en parler pendant ce podcast. C'est un centre névralgique pour la santé. Quand l'intestin va mal, en général, le reste de la santé va mal. Et il y a plein de maux qui sont liés à l'intestin. Mais c'est vrai que le syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Donc, on va en parler en détail. Avant d'attaquer le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a emmené vers la naturopathie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais ce métier passionnant? Alors, je n'étais pas du tout destinée à la base à être naturopathe ou dans la santé. J'étais plutôt dans le tourisme, voilà, hôtesse de l'air, agence de voyage. J'étais vraiment pas du tout dans ce milieu-là, mais je m'intéressais énormément à la santé en général et surtout à la santé au naturel. Et au bout d'un moment, dans mon parcours professionnel, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps de faire vraiment ce que j'aime. Et qu'est-ce que j'aimais? Je regardais autour de moi dans mon appartement et je voyais tous mes bouquins de naturopathie, de santé, d'huiles essentielles. Et je me disais, bah voilà, en fait, c'est ça que j'aime et c'est ça que j'ai envie de faire au quotidien et d'aider aussi les gens. Et ça s'est présenté à moi plus particulièrement quand j'ai pris en charge moi-même mon syndrome de l'intestin irritable avec un naturopathe et avec aussi tout ce que j'apprenais, tout ce que je lisais, tout ce que j'intégrais comme information à ce moment-là. Et quand ça, entre guillemets, fonctionnait sur moi, quand j'ai vu que j'avais réussi à éliminer hein, les symptômes que j'avais. Je me suis dit, mais c'est génial en fait. Et après des années d'errance médicale, je ne peux pas garder ça pour moi en fait. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui souffrent de ces symptômes-là au quotidien. Et depuis des années, je me suis dit, mais en fait, il faut que je partage ce que j'ai appris et ce que j'ai mis en place sur moi et qui a fonctionné. Et c'est là que j'ai décidé de me former. Et naturellement, je me suis lancée et ça a démarré comme ça, quoi. Et ça fait maintenant bientôt 5 ans. Ok. Donc, tu disais que tu étais hôtesse de l'air avant. C'est un métier, j'imagine, qui a mis ta santé à rude épreuve. Est-ce que c'est là que ça a exacerbé tes syndromes, enfin ton syndrome? Ça a été un peu le... Ouais, tu peux nous en parler un petit peu. Enfin, genre, tu étais sur des longs courriers, j'imagine? Ouais, j'étais dans une compagnie, une très grosse compagnie internationale. Donc, j'étais pas basée en France, j'étais basée à Dubaï. Et donc, c'était court courrier, moyen courrier, long courrier. Il n'y avait pas de règles, pas de route précise. Dans la même semaine, je pouvais être un jour à New York et quelques jours après à Sydney. Donc, niveau fuseau horaire, on était complètement à l'opposé. Et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué pour le corps, pour la santé physique, mais pour la santé mentale aussi. Bon, les deux se rejoignent, mais forcément, mon corps n'allait pas bien, ma santé mentale non plus. J'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai arrêté pour ces raisons-là, principalement parce que j'étais quand même assez jeune hein, à l'époque. J'avais 25 ans, 26 ans, mais je me disais, là, j'ai pas l'impression d'avoir la santé de quelqu'un de 26 ans. Je savais plus, au bout d'un moment, si j'étais malade, si j'avais faim, si j'avais soif, si j'étais fatiguée. Le sommeil, n'en parlons pas. Je suis devenue insomniaque parce que mon rythme circadien était complètement dans les choux.
Le ventre, n'en parlons même pas. Voilà, l'avion, on sait hein, que pour le ventre, c'est pas, ben voilà, avec la pressurisation de l'appareil, l'altitude, etc., c'est pas top. Et quand on fait ça ben, plusieurs fois par semaine, ouais, j'étais dans un état en fait d'inflammation constant, clairement. OK. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Et en rentrant chez moi, mon but premier, c'était de me remettre sur pied, en fait, de me refaire une santé. Et c'est ce que j'ai fait. Tu savais déjà que tu avais le syndrome de l'intestin irritable avant? Non, non, non. Je savais que D'accord. j'avais une fragilité digestive parce que même déjà de très très loin, hein, que je me souvienne quand j'étais au collège ou au lycée, je me souviens des fois qu'ils devaient appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher parce que j'avais une crise et j'avais tellement mal au ventre que je pouvais plus rien faire. Donc déjà, j'avais un terrain fragile, mais c'est quand je suis rentrée chez moi après ces 2 ans à Dubaï, que j'avais repris en fait une hygiène de vie plus classique. Je dormais la nuit, je me couchais le soir, je me réveillais le Ouais. matin, j'avais des repas à heure fixe et j'avais toujours ces troubles digestifs qui persistaient. OK. Ce ventre hyper gonflé, ces crises, clairement c'était des crises de spasmes où d'un coup je me sentais mal, je devenais livide, je me mettais à transpirer, je pouvais littéralement plus rien faire. Et je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi parce que je mangeais correctement, je faisais tout pour être en bonne santé. Et c'est là que j'ai commencé le parcours médical, donc avoir d'abord mon médecin, ensuite un gastro-entérologue, plusieurs, je ne saurais même pas te dire combien. Ensuite, vu que niveau digestif, on ne donnait aucune réponse, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être hormonal, gynécologique. Donc, je suis allée voir plusieurs gynécos par rapport à ces symptômes-là. Et pareil, aucune réponse concrète. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, bah, vu qu'il n'y a rien de grave, au final, et tant mieux. Je faisais plein, plein d'examens, je faisais beaucoup d'analyses et rien ne ressortait. Je me disais, bon, d'un côté, c'est positif, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, dans mon hygiène de vie, dans mon quotidien. Et c'est là que j'ai commencé à prendre la voie de la naturopathie et à remettre aussi en question les choses que je faisais. Parce que moi, je pensais que je faisais certaines choses bien, alors qu'en fait, oui, objectivement, c'était peut-être bon pour la santé, mais pas pour la mienne, en tout cas pas pour mes symptômes. Et c'est là que j'ai vraiment compris comment mon corps fonctionnait. Ok. Au final, c'est quel spécialiste qui t'a diagnostiqué le syndrome de l'intestin irritable? C'était un généraliste, C'était un un gastro? gastro, ouais, Ok. c'était un gastro, mais en fait, je me souviens, c'était un gastro, le dernier que j'ai vu. Moi, j'habite en Corse. J'avais pris rendez-vous à Marseille 1 an à l'avance. Donc voilà, ce rendez-vous était bien, bien prévu, bien anticipé. Et en fait, après toutes mes recherches, je savais déjà. Je savais, j'avais OK. compris, mais je voulais juste avoir une confirmation et surtout je voulais pas influencer son diagnostic ou l'aiguiller. Donc j'y suis allée comme si voilà, je m'attendais à rien, comme si j'avais aucune idée de ce que j'avais. Et en lui donnant mes symptômes, les choses que j'avais mises en place, les choses que j'avais déjà faites, c'est lui qui m'a dit, bon bah vous avez le syndrome de l'intestin irritable et ce que vous faites, ça me paraît bien, continuez comme ça et ça s'atténuera avec le temps. Ça ne m'a pas avancé à grand-chose, mais en fait, j'avais une confirmation et je savais que d'un point de vue médical, ça, pour moi, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'autre solution, ça ne servait à rien que je cherche un traitement ou une pathologie précise, quoi. Ce qui est fou, c'est que ça n'a pas été simple. En fait, il y a eu, on va Ah dire, un ouais. peu de la galère médicale, en fait, avant d'arriver au diagnostic, en fait, quoi. Il y C'est a pas quelque eu chose une qui est galère simple. On va en médicale. parler un peu plus tard, mais c'est Ouais. pas quelque chose qui est simple à diagnostiquer. C'est pas quelque chose qui est encore très reconnu par la médecine conventionnelle, on va dire, quoi. C'est pas encore très, Complètement. c'est pas automatique, en fait, quoi. Complètement. Et ça, ben, je l'ai expérimenté et je le constate toujours aujourd'hui en Ouais. consultation, chaque jour, l'errance médicale des personnes que je reçois. Et parfois, on se sent encore plus mal après ce type de consultation parce qu'on met tellement d'espoir. Moi, je me souviens, à chaque fois que j'allais voir un spécialiste, je me disais, bon, ben voilà, on va enfin m'apporter des pistes. C'est quand même des personnes dont c'est la spécialité. Et en fait, moi, je me souviens, alors je ne mets pas du tout en cause le système médical ou autre, mais en tout cas, pour ma part, mes expériences, moi, je sais que j'étais expédiée en 5 minutes, on ne me posait aucune question, et maintenant, ça me paraît aberrant
qu'on m'ait pas demandé comment je mangeais, comment je dormais, comment je me sentais, en fait, même dans ma tête, c'est pour moi, c'est la base. Et on ne me demandait pas tout ça, on me donnait simplement, bon, bah, vous êtes constipé, tenez des laxatifs, vous avez mal au ventre, bah, tenez un spasfon, et c'est tout. Et en fait, je me gavais de ça au début, parce que moi, je ne savais pas, on me disait ça, c'était les médecins, bah, ok, très bien. Après, quand j'ai compris, je me suis dit, non, mais on va s'éloigner un petit peu de tout ça, ce n'est pas la solution, quoi. Alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est concrètement que le syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment on pourrait le définir? Quels sont les symptômes au quotidien? Même si tu as un petit peu évoqué des pistes avec ton cas Ouais. personnel, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que le syndrome de l'intestin irritable concrètement? Ouais, bien sûr. Et comme tu dis, c'est vraiment pas évident à définir parce que c'est pas une maladie, justement. C'est pas une pathologie, c'est un syndrome. Donc, c'est un ensemble de symptômes. Et aujourd'hui, le syndrome de l'intestin irritable, on va pas se mentir, hein, c'est un peu un terme fourre-tout. Quand on sait pas, quand on trouve pas, bon, bah, madame, vous avez le syndrome de l'intestin irritable. Ok, les symptômes, c'est toujours un petit peu les mêmes, hein. Les symptômes digestifs, les troubles du transit, il va y avoir des ballonnements, un ventre souvent très très gonflé, une difficulté à digérer, ça peut être comme j'en ai parlé tout à l'heure, des crises ou des périodes en tout cas de crise où on est un petit peu enflammé au niveau digestif. Mais il peut y avoir 50 personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Et pour autant, l'origine, pour chacune de ces personnes va être complètement différente. Ça peut être purement un problème d'hygiène de vie. Moi, je sais que c'était principalement ça, notamment l'alimentation qui ne me correspondait pas, mais aussi, et ça, on pourra certainement en reparler plus tard, les choses aussi dans l'hygiène de vie qui n'allaient pas, et même au niveau émotionnel. Mais ça peut être des choses beaucoup plus spécifiques. Ça peut être lié à des troubles hormonaux comme une hypothyroïdie, de l'endométriose, un SOPK. Moi, je sais que j'ai le SOPK aussi. Donc, quand j'ai eu mon diagnostic, ça aussi après des années d'errance, quand j'ai eu mon diagnostic SOPK, j'ai pu faire le lien aussi avec le syndrome de l'intestin irritable et tout faisait sens. Je me disais, ok, bah, mon corps est vachement inflammé et ces troubles hormonaux sont liés aussi à ces troubles digestifs. Ça peut être aussi un problème au niveau de l'estomac, un manque d'acide chlorhydrique, donc une hypochlorhydrie. Voilà, ça peut être un SIBO qui peut être aussi lié à une hypothyroïdie. Donc, c'est pour ça que quand on a ce genre de symptômes, il faut vraiment se faire accompagner par les bonnes personnes pour qu'on puisse remonter à l'origine du problème. Parce que voilà, quelqu'un qui est constipé, par exemple, bon, bah, lui dire buvez plus d'eau et mangez plus de fibres, ok. Mais c'est pas forcément ce qui va lui faire du bien, ça peut même être l'inverse. Si la constipation est due à une hypothyroïdie, par exemple, bon bah voilà, manger plus de fibres, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc c'est vraiment un travail d'investigation quand on a ce diagnostic-là qui tombe, à savoir que c'est un diagnostic d'élimination. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'analyse. Des fois, on me demande hein, quelle analyse je dois faire pour qu'on me diagnostique l'intestin irritable. Bah non, en fait, il n'y a pas quelque chose qui va dire voilà, l'intestin irritable est là. Non, c'est éliminer tout le reste, éliminer les gastrites, les rectocolites hémorragiques, enfin, les maladies de Crohn, tout ça qui peuvent être visibles. Et une fois que tout est OK au niveau des analyses, bon, bah voilà, c'est Qu'est-ce qui certainement reste, quoi? ce syndrome. Voilà, c'est ça. Ok. Dans quelle case on peut le caser, quoi. Ok. D'où la difficulté pour les personnes qui en souffrent d'avoir enfin un diagnostic, parce que c'est vrai que les médecins qui ne sont pas forcément formés à ça vont avoir un spectre de symptômes qui n'est pas forcément clair, qui n'est pas Ouais. forcément le même pour tout le monde. Et au final, ils ne savent pas trop comment ranger les gens, parce qu'on aime bien mettre les gens dans des cases. Et là, comme tu le dis, c'est compliqué, quoi, parce qu'il n'y a pas une case précise pour C'est ça. ce problème de santé, quoi. Ok. C'est ça. Aujourd'hui, si tu devais quand même donner les grandes causes, alors tu as dit qu'il y a plusieurs causes possibles. Est-ce qu'il n'y a pas un best-of quand même des choses qui peuvent emmener le syndrome de l'intestin irritable? C'est quoi pour toi le top 3 des causes? Il y en a tellement, il y en a tellement. Bon, moi, ce que je vois souvent en consultation, c'est des hypothyroïdies et des SIBO. Donc, le D'accord. SIBO, c'est prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle. C'est souvent, très souvent, la cause de l'intestin irritable. Je vois aussi beaucoup et de plus en plus des personnes qui reviennent de TCA, qui ont un antécédent, en tout cas, de TCA.
et donc qui ont une flore intestinale et une digestion vraiment altérée à cause de ces troubles du comportement alimentaire et qui ont du mal à retrouver une digestion correcte même après les TCA. Donc là, c'est tout un travail aussi hein, pour rétablir un bon microbiote et retrouver une digestion performante. Ouais, je dirais ça parce que honnêtement, sur toutes les consultations que j'ai rarement des personnes qui s'alimentent mal. Au contraire, c'est tout D'accord, l'inverse. ok. C'est toujours des personnes qui font attention à leur alimentation, qui mangent très bien, parfois un peu trop. Donc, il y a aussi ce problème d'aller trop dans le côté santé de l'alimentation et diaboliser certains aliments. Donc, du coup, là, il y a une alimentation un peu trop restreinte. Ça aussi, un manque de variété au niveau alimentaire. Mais une des autres causes aussi qui ressort principalement, c'est le stress. Alors, ça fait très cliché, hein, et c'est souvent ce que disent les médecins aussi. Ben, madame, c'est le stress et on le prend souvent un petit peu mal. Mais oui. C'est une réalité, le stress au quotidien, ce stress un petit peu de bas grade qu'on ressent constamment sur une journée, forcément ça a un impact non négligeable sur la digestion et quand ce stress est pris en charge et surtout quand les raisons de ce stress sont adressées, souvent ça va beaucoup mieux, sans même toucher parfois à l'alimentation. Ok. Donc, du coup, on va reparler un petit peu. C'est super intéressant parce qu'effectivement, le stress chronique, le stress aigu, c'est pas très gênant, c'est normal. Le stress chronique, lui, par Il est contre, très utile dans certaines il. situations. Oui. Par contre, le stress chronique, lui, il ravage la santé. Clairement, on va en reparler un petit peu après. Mais juste avant, pour revenir à l'alimentation, du coup, si j'ai bien compris, tu donnes pas de conseils spécifiques alimentaire aux gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable parce que ça va dépendre en général de la personne, de son background, de plein de paramètres, j'imagine. Donc il n'y a pas deux, trois conseils alimentaires que tu donnes classiquement. Alors, Il y a. il y a un tronc commun, on va dire, Ok. quand il y a des troubles digestifs. Mais parfois, pour une personne, des fois, j'ai deux consultations d'affilée, les personnes ont sensiblement les mêmes symptômes et pourtant, je vais donner des conseils radicalement opposés. OK. Donc, ça dépend vraiment et c'est pour ça aussi que je dis souvent aux personnes de pas essayer de trouver des solutions. Alors, c'est bien hein, de chercher des solutions, mais parfois, moi, j'ai des personnes en consultation qui sont perdues parce qu'elles voient justement énormément d'informations partout, sur les réseaux, dans les livres, et elles savent plus quoi suivre parce qu'elles voient des fois des Tout choses est son radicalement contraire. différentes. Tout est son contraire, et ça ne veut pas dire qu'il y a un conseil qui est faux et un qui est juste, mais ça va dépendre des besoins de la personne. Et c'est pour ça que la Ok. naturopathie est là aussi, c'est pour s'adapter aux besoins uniques de la personne en face. Ok. C'est super intéressant parce qu'effectivement, souvent les gens, ils voudraient bien avoir un peu l'ingrédient à enlever qui va Ah résoudre tous les problèmes, en fait. ouais, Mais malheureusement, c'est mais pas si s'il simple que ça, existait, malheureusement. voilà, c'est ça. S'il existait, on aurait plus de troubles digestifs et tout le Ou monde serait inversement, alimenté de cette façon. l'aliment magique que si on le consomme automatiquement, tous les symptômes disparaissent en quelques heures. Non, ce n'est pas, ça ne Ouais. marche pas comme ça, la santé, Non, parce pas que du tout. c'est infiniment complexe le corps humain. Non. Ok, donc l'alimentation, c'est un sujet qui est très compliqué, qui est effectivement très individualisable, et voilà, il faut passer du temps à analyser le passif de la personne, comment elle mange, ses éventuelles intolérances alimentaires, j'imagine, des choses comme ça. Donc ça va être compliqué de donner des conseils génériques. Revenons du coup sur la partie stress, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant que tu as évoqué. Quand on a du stress chronique, c'est vrai que ça va être en général une machine infernale en termes de maladie. Toi, tu as remarqué que quand tu donnais des conseils, voilà, des techniques concrètes à tes patients qui ont le syndrome d'intestin irritable, pour diminuer le stress, en général, ça allait mieux. Tu constates généralement ça, concrètement? Oui, Ok. complètement. Ce qu'on fait beaucoup aussi pour la gestion du stress, donc forcément, hein, c'est mettre en place des choses concrètes, des petits exercices, des choses à mettre en place au quotidien, mais c'est aussi remettre en question les causes de ce stress, parce que souvent, on cherche à ajouter des choses Oui. et parfois, ça peut créer l'inverse, tu vois. Faire une to-do list anti-stress, ça peut te stresser davantage à avoir des choses à faire dans sa journée, alors que parfois il suffit de. Enfin, il suffit. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais en tout cas, il faudrait au contraire épurer, retirer des choses, s'alléger,
se délester de certaines charges mentales, que ce soit au quotidien, que ce soit des personnes parfois, ça peut être très large, hein. Mais voilà, souvent, c'est ce dont on parle en consultation et ça permet aussi aux personnes d'avoir des prises de conscience. C'est souvent ce qui se passe, le fait d'en parler, d'extérioriser, se dire, ah ouais, mais c'est vrai que ça, je me rendais pas compte, mais ça me pèse énormément et après la consultation, ça gamberge et ça leur permet de mettre des choses en place à ce niveau-là, de faire les changements nécessaires et souvent, c'est une des grosses clés qui permet de passer à l'étape suivante au niveau de leur trouble digestif. Ouais. C'est pas, enfin, tout ça fait un peu sens parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est quand même relativement stressant et du coup, plus il y a de gens qui ont du stress chronique, plus il y a des gens qui ont des problèmes de santé et en particulier au niveau de l'intestin parce que, enfin, d'un point de vue physiologique, ça s'explique assez facilement, hein. Quand on est stressé, en fait, le système digestif, c'est en général ce qui va être, En comment pause, dirais-je, oui. mis en pause par le système, enfin, par le corps humain parce que c'est pas quelque chose qui est fondamental lorsqu'on est en mode fuite et combat. C'est ça. Et clairement, quand le système digestif est en repos trop longtemps, ben ça va avoir des effets assez violents en fait sur aussi bien le microbiote que sur ce qu'on appelle la motilité de l'intestin, c'est-à-dire le fait de pouvoir transporter le bol alimentaire, etc. Donc au final, ouais, ça fait assez sens en fait, hein. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté, Ouais, tout le à côté fait, tout à fait. physiologique justement. Hein. Ah oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça, tu sais, souvent, j'ai des personnes qui me disent, mais Marina, moi, je comprends pas, je sais plus ce que je dois manger parce que un jour, je vais manger quelque chose, ça va très bien passer. Le lendemain, je vais manger exactement la même chose, exactement la même assiette, les mêmes quantités, je vais pas le digérer. Et c'est là que je questionne, oui, mais quel était le contexte de ce repas? Qu'est-ce qui s'était avant? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu étais stressée? Et bien souvent, c'était ça. Et comme tu dis, le fait d'être stressé, ça met complètement le système digestif en pause parce que c'est pas la priorité du moment pour le corps. Il y a d'autres Tout à choses fait, hein. à gérer. Et quand tu es dans cet état constamment chaque jour de ta semaine, on comprend les dégâts que ça peut faire sur le corps. Et c'est pour ça, moi, que je conseille au maximum aux personnes. Alors, dans la mesure du possible, forcément, on est dans une société aujourd'hui où on ne peut pas, par exemple, manger en conscience tous les jours à tous les repas, mais en tout cas, quand c'est possible, le faire au maximum, se poser, consacrer le temps du repas, ne serait-ce que 30 minutes vraiment au repas, ne pas faire autre chose à côté, ne pas manger en même temps que être sur l'ordinateur ou vraiment s'octroyer cette pause parce que le corps a besoin d'être entièrement là pour une bonne digestion. Donc ouais, le stress. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement banal un petit peu d'être stressée. Tu vois, moi, je le vois en consultation quand je demande aux personnes, ben, est-ce qu'elles prennent du temps pour elles? Est-ce qu'elles se posent? Est-ce qu'elles ralentissent parfois dans leur journée? Est-ce qu'elles ont des petits moments pour elles? Ben non, non, en fait. Et je leur dis, ben, c'est là qu'il faut commencer. Avant de décortiquer l'assiette en détail, de savoir quel aliment il faut manger, quel aliment il faut éviter, commencez déjà juste par faire ses pauses, prendre du temps pour vous, ralentir. Et souvent, je reçois des petits messages après, oh, Marina, mais j'ai fait une pause après le repas, j'ai pris mon petit matcha tranquillement dans mon canapé avec un bouquin et ça m'a fait un bien fou. Ben, c'est super et c'est cette petite chose faite tous les jours ou régulièrement qui va avec le temps faire toute la différence. Il n'y a pas besoin de mettre des choses drastiques en place ou révolutionner son quotidien pour que ça s'améliore, mais c'est ces petites habitudes-là qui vont tout changer. Exactement, ouais. Prends du temps pour toi, comme je disais tout à l'heure, c'est très cliché. Enfin, ça fait un peu genre Ouais. conseil qu'on a vu 10 000 fois. Mais Complètement, et après, pourtant. ces conseils qu'on voit 10 000 fois, on se dit, bon, ils sont bien, mais qui les applique vraiment, quoi? C'est ça, tu vois, c'est comme on dit, pas d'écran avant d'aller se coucher, etc. Ouais, c'est bon, ça, Ouais. on l'a vu 10 000 fois. Mais est-ce que tu le fais vraiment, en fait? Toi, c'est ça le truc. Non, mais parce que, bah voilà. C'est C'est vrai ça. Et qu'à en un fait, moment, on sait il quoi y a ce faire. problème, c'est qu'en fait, on est tellement exposé aux mêmes conseils qu'en fait, on n'en fait même plus gaffe. On cherche quelque chose d'original, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Genre, waouh, c'est fou, personne ne l'avait dit avant ça. Mais en fait, tous les conseils bateaux, bah, s'ils sont bateaux, c'est peut-être parce qu'il y a justement, ils sont bons, en fait, quoi. C'est du bon sens, en fait, quoi. Complètement. C'est ça. Voilà. Moi, je sais pas pour toi, enfin, moi, mais on pourra, enfin, partager un peu nos anti-stress qui marchent bien. Après, ça va dépendre de chacun, forcément. Mais je pense que quand même, comme tu disais là, il y a un tronc commun, je pense, à tout le monde.
Et surtout, dans notre monde moderne, on est un peu déconnecté de choses fondamentales. Pour moi, en tout cas, ce qui marche très, très bien pour le anti-stress, c'est d'une part l'activité physique. Faire du sport régulièrement, pour moi, c'est un. J'expulse mon stress que je pourrais avoir via le mouvement, tout bêtement. Je pense que la sédentarité, c'est un peu une source de stress. Paradoxalement, on pourrait se dire, ah, mais attends, tu bouges pas, donc c'est bon. Ah, mais non, je pense qu'il faut aussi bouger, extérioriser, mettre son corps en mouvement. Un corps qui est trop statique, c'est un corps qui est un peu mort, en fait, quoi. Totalement. Et puis là, tout bêtement aussi, moi, ce qui marche bien, enfin, qui est pareil, qui est un peu cliché, mais qui fait un peu fleur bleue, c'est la connexion à la nature, en fait. C'est juste, en fait, faire une balade dans un environnement qui n'est pas stressant, il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas de gens qui sont en train de marcher à vive allure à côté de toi, juste des arbres, un ruisseau. Enfin, pareil, c'est très cliché, mais je le vois, moi, dès que je fais des balades en nature, je ressens tellement un apaisement. C'est aussi bête que ça, mais on se sent apaisé, en fait, alors que, effectivement, j'habite en ville. Et souvent, je peux ressentir des pics de stress. Quoi. Quand je marche tranquillement, que j'ai une voiture qui me klaxonne derrière, c'est tout bête en fait, mais tu vois, ça c'est stressant en fait. Et mis bout à bout, ça peut engendrer du stress chronique en fait, sans qu'on y fasse gaffe en fait. Quoi. Donc voilà, pour moi, c'est ça, activité physique et connexion à la nature. Toi, c'est quoi tes anti-stress préférés, toi, pour moi? Ben écoute, c'est pas être original du tout, mais je valide complètement et moi je m'en rends compte. Clairement, un jour où je fais pas de sport et un jour où je fais du sport. Alors, bien sûr, il faut des jours de repos. Et Bien sûr. les jours de repos que j'ai, ils me font du bien. Mais en tout cas, les jours où je vais pas au sport parce que j'ai pas pu, je sens clairement la différence sur mon état physique et mon état mental aussi. Donc, moi, le sport, c'est vraiment le non négociable. Moi, je vais à la salle 4 fois par semaine, minimum 3 fois, mais 4 fois en général. OK. J'ai le yoga à côté, ça on va en parler, on va pouvoir en parler aussi parce que c'est lié à la digestion. Et pareil que toi, les marcher. Pour moi, marcher, c'est la base. C'est la base. Voilà, on est des bipèdes, on est fait pour se déplacer avec nos pieds, avec nos jambes. Et aujourd'hui, bah, si on regarde bien, en tout cas, en fonction du métier qu'on a, on peut très rapidement le matin sortir de son lit, s'asseoir à sa table à manger pour déjeuner. Sortir de sa maison, s'asseoir dans sa voiture, et sortir de sa voiture et se rasseoir à son bureau pour refaire la même chose le soir en rentrant. C'est catastrophique. Si aujourd'hui, si en tout cas on a ce rythme de vie, on se force pas, on s'octroie pas ces moments vraiment planifiés dans l'agenda, à se dire, bon, ben voilà, là je vais me balader, je vais prendre ce temps pour moi, on peut très vite se retrouver hyper, hyper sédentaire. Et moi, c'est ce qui peut m'arriver dans mon quotidien aussi, hein. J'ai quand même un travail de bureau, à part les cours de yoga, mais les consultations, je travaille de chez moi. Mais je mets un point d'honneur à, bah, tu vois, ce matin, je suis allée me balader 45 minutes. J'habite à 2 minutes de la mer, c'est aussi mon avantage. Mais voilà, je vais me balader au bord de l'eau, et ça change tout. C'est un moment pour soi, tu es dans la nature. Tu laisses aussi un petit peu ton esprit divaguer, donc c'est aussi une forme un petit peu de méditation et de pleine conscience. Donc ouais, c'est aussi mes non négociables. Après, j'ai mes petits rituels de yogi à la maison, hein, moi, qui me permettent de prendre ce temps pour moi et de faire diminuer le stress. Je me mets un petit peu sur mon tapis, je mets mon encens, un petit peu de méditation. J'aime aussi beaucoup beaucoup l'aromathérapie qui est génial pour le stress, ouais, les odeurs, que ce soit les encens ou les huiles essentielles, qui peuvent être associées à des choses agréables et qui peuvent être immédiatement apaisantes pour le corps et pour le système nerveux. Donc ça, c'est vrai que je conseille beaucoup aussi à mes élèves en yoga et à mes consultantes en consultation. Voilà, ces petits moments, pour moi, c'est cette petite bulle en fait que je me crée, qui me permet de me reconnecter aussi un petit peu à moi. C'est mon moyen de faire diminuer le stress, en tout cas quand il est là. Génial. Bah écoute, j'espère que ça pourra donner des idées aux gens qui nous écoutent. Et tu vois, pour revenir à l'activité physique, et donc pour reconnecter au sujet de notre entretien sur l'intestin, je dis souvent en fait qu'un corps qui est feignant, alors pas feignant au sens qui a pas envie de travailler, mais qui est plutôt sédentaire, Oui. un corps qui est feignant va entraîner un intestin qui est feignant aussi. Et Complètement. je sais pas si tu es d'accord. Hein, voilà, ça, pour moi, le mouvement du corps va entraîner le mouvement de l'intestin. Un intestin qui a une bonne dynamique, qui a une bonne capacité à bouger, on appelle la motilité. Je pense que ça va éviter aussi pas mal de problèmes intestinaux parce qu'au final, on sait bien qu'un intestin qui bouge mal
le bol alimentaire va rester plus longtemps à l'intérieur, ça peut jouer sur le microbiote, et au final, ça peut amener des problèmes de constipation, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi bouger plus, voilà, pas juste pour bouger, mais juste pour dire que ça va aider notre intestin, juste, voilà, pour reconnecter au sujet principal. Tu es d'accord avec Tout ça? à fait. Tout à fait, tout Ok. à fait. Bon, moi maintenant, la digestion va beaucoup mieux, mais je me souviens avant, quand ça allait pas trop, il suffisait que je reste quelques heures assise, ça suffisait pour me créer des ballonnements, des douleurs, et c'était simplement la position qui déclenchait ça. Donc oui, le mouvement est fondamental pour la digestion. C'est ce que j'essaie de promouvoir au maximum avec mes clientes en consultation. J'ai beaucoup de personnes sportives, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne font pas de sport. Après, c'est un peu un cercle vicieux, tu vois. C'est aussi à cause des troubles digestifs que bah, elles ont moins d'énergie, elles ont moins cette envie avec les douleurs, Ah l'inconfort. oui. Mais j'essaie vraiment de les initier à ça, commencer petit, tu vois, ça peut être des étirements à la maison, c'est déjà énorme si tu as l'habitude Ouais. de ne pas bouger, juste le fait de délier le corps, délier les tensions, agir aussi sur la sangle abdominale avec certains étirements, ça peut déjà faire beaucoup de bien. C'est pour ça aussi que je te disais que marcher pour moi, c'est la base parce que c'est l'activité la plus complète, accessible à tous. Si tu fais pas de sport, tu peux quand même aller marcher 1 heure, ça te fera beaucoup de bien. Et ça, pour la digestion, ça change tout aussi. Donc Ouais. oui, le fait d'être actif, de bouger, de se mettre en mouvement, bah, on fait circuler les énergies, on extériorise aussi, on se sent mieux au niveau du moral, et ça aussi, c'est un impact bénéfique sur le ventre. Et oui, la petite marche digestive, c'est pas une légende urbaine, hein. Ça marche vraiment bien. Hein. Marcher après manger. Disons que beaucoup de gens, effectivement, dès que le repas est terminé, c'est ils s'allongent sur leur canapé, enfin, en mode devant Netflix et compagnie. Bon. D'autant, c'est pas C'est très ça. grave, mais c'est vrai que les gens qui font trop ça, je pense que ça aide pas trop, en fait, pour avoir une bonne Ouais. Et digestion. encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ça c'est des choses qu'on sait. Tu vois, si on dit à quelqu'un qui a l'habitude de s'allonger sur le canapé après manger, lui dire, bah oui, mais une petite marge digestive, ça ferait du bien. Ah oui, je sais, mais c'est le Oui. faire qui va changer les choses, et ça c'est valable pour tout. Et ouais, c'est ces petites actions bateaux, mais qui sont la base de la santé. Mais le plus dur, en fait, c'est le faire, en fait, parce que effectivement, quand tu vois tous les gens qui s'inscrivent dans une salle de sport, c'est pas compliqué de s'inscrire dans une salle de sport. Tu vas à l'accueil, tu mets ta CB, hop, terminé, et tu dis, yes, je vais faire la salle de sport, c'est génial, je vais perdre du poids, je vais retrouver la santé. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque ensuite, quelques jours, quelques semaines après, c'est que bah, quand faut y aller vraiment pour transpirer, il y a un peu moins de monde du coup là, hein, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Combien d'abonnements esseulés dans les salles de sport, il y a 100 personnes, mais Après, ouais. C'est ça. Après, comme c'est pas là aussi, c'est se dire pourquoi je le fais. Tu vois, c'est pas une histoire de motivation. Quand tu vas t'inscrire, oui, t'es hyper motivé. Par contre, il faut pas compter sur la motivation pour continuer à y aller sur la durée. Faut Ah non, la se discipline, il faut reconnecter bien. à son, Voilà. voilà, reconnecter à son Surtout pas se pourquoi. dire, Pourquoi je le fais? j'irai quand j'aurai le temps, quand j'aurai la Ah non. motivation, quand il fera beau, quand les enfants sont grands, quand, enfin, il y a toujours une excuse pour pas aller au sport, en fait, quoi. C'est Et ça. moi, enfin, une petite astuce que j'aime souvent, c'est tout bêtement aussi trouver quelqu'un, un ami, un ou une amie, en fait, avec qui y aller, parce que l'avantage, c'est que les jours où on n'est pas motivé, là, cette personne peut me dire, allez, vas-y, on y va. Moi, j'y suis. Enfin, tu vois, c'est genre, on se motive mutuellement, en fait, quoi. C'est C'est, enfin, vrai. tu vois, moi, je fais du sport tous les midis, et donc j'ai une bande d'amis avec qui je fais du sport. J'avoue que des fois, je suis pas si motivé. Tu vois, je suis dans mon travail, j'ai dit, ah, attends, faut que je parte dans une demi-heure. Aujourd'hui, un peu la flemme. Et en fait, bah, je dis, de toute façon, j'y vais parce qu'ils m'attendent. En fait, tu vois, on se donne une sorte de rendez-vous tous mutuellement, et j'y vais. Et en fait, une fois sur place, je suis super content parce que j'y suis. Enfin, voilà, j'ai fait le pas, en fait, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je dis, oh, la flemme. Mais voilà, juste le fait de dire que j'ai un Ouais. peu des comptes à rendre ou que des gens m'attendent, bah, ça Ouais. me J'ai pas besoin de réfléchir, il faut que j'y sois prêt, quoi. On C'est, regrette je délègue un jamais peu. une séance de Ah non. sport. Exactement. Ouais. Sur le coup, des fois, on se dit bof. Et après, on se dit ah, c'est cool. Et toi, du coup, toi, donc, t'es prof de yoga en parallèle de tes consultations naturopathie. C'est Est-ce ça. que justement, tu as vu que les gens qui font du yoga, qui ont le syndrome de l'intestin irritable et qui, en parallèle, prennent du temps pour soi et qui vont justement se tourner vers le yoga, parce que le yoga, c'est un moment pour soi et aussi un moment où on fait travailler son corps. Je pense qu'il y a aussi le côté, la dualité mentale et corps. Est-ce que tu as vu des choses très positives arriver sur le syndrome de l'intestin irritable avec le yoga? Ouais, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Et comme tu l'as dit, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau physique, mais au niveau mental aussi.
Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de donner des cours de yoga liés à la digestion. C'est parce que j'étais un peu frustrée pendant les consultations d'apporter uniquement de la théorie et notamment OK. au niveau de l'activité physique. Tu vois, donner des conseils, c'est bien, mais je savais que des fois, ils n'allaient pas forcément être mis en place. Alors que là, le fait de pouvoir suivre mes consultantes en naturopathie et de les retrouver à mes cours de yoga, bah, j'ai un petit œil sur elles, tu vois, et sur l'activité physique. Je sais qu'elles ont fait la part du job, entre guillemets, qu'elles se sont mises en mouvement, qu'elles ont pris ce temps pour elles. Et souvent, elles me disent, bah, merci, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai des personnes qui suivent les cours de yoga depuis 2 ans. C'est à plein de niveaux, c'est bénéfique. Comme tu dis, juste au niveau physique, voilà. Tu bouges, tu t'actives, tu es sur ton tapis pendant 1 heure, tu mets ton corps en mouvement, tu prends ce temps pour toi pendant 1 heure, c'est ta bulle de déconnexion, tu prends soin de ta santé, de ton bien-être. Et bah, le yoga, moi ce que j'aime, c'est que c'est complet parce que c'est pas uniquement de la pratique physique, c'est un moment aussi de relaxation, de méditation. C'est vraiment complet, c'est très holistique. Et toute cette prise en charge émotionnelle est vraiment hyper importante pour la prise en charge de la santé digestive. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui se sentent mieux aussi parce que elles s'autorisent à se relâcher, à se détendre complètement sur le tapis en début de séance, en fin de séance. J'ai des personnes qui, pendant les méditations, bah, elles comprennent pas pourquoi, mais elles se mettent à pleurer. Bah, c'est parce qu'il y avait des choses à débloquer, il y avait des choses à extérioriser et qu'elles s'autorisent pas dans leur quotidien. Donc voilà, on lâche un petit peu tout sur le tapis, on laisse les tensions, les douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, et on ressort de là un petit peu tout neuf. Et j'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui ont ne serait-ce que intégré 15 minutes de yoga tous les matins. C'est maintenant leur rituel depuis des mois, voire des années. Et c'est ces routines-là aussi qui leur permettent bah, de se sentir mieux, d'avoir des points d'ancrage, tu sais, dans leur journée, où qu'elles soient chez elles ou en vacances, bah, c'est leur moment, c'est leur petite bulle le matin avant de commencer la journée. Et voilà, encore une fois, c'est ces petites choses-là qui permettent après de se sentir mieux petit à petit. Génial. Donc, pour des personnes qui ont aujourd'hui le syndrome intestinal irritable, ça pourrait être un conseil à donner, tester le yoga. Ça peut être aussi bête que ça. Ouais. Ça peut être un game changer, comme on dit. Complètement. Complètement. Et OK. l'avantage avec le yoga, c'est que c'est pour tout le monde. J'ai parfois des personnes qui me disent, ah non, le yoga, j'ai testé, c'est pas pour moi. Ou ah non, non, moi, je suis trop speed, c'est pas pour moi. Alors, justement, c'est quand on se dit trop speed, bah, qu'il faudrait ralentir. Et c'est à ce moment-là qu'on en a Les le plus, encore plus besoin. personnes qui sont trop speed, en général, c'est des bons clients pour du stress chronique. Hein. Ouais, En complètement. général. Complètement. Et c'est. Ouais, et c'est les personnes les plus réfractaires parce que elles se disent, ah ben non, moi, 1 heure sur le tapis, non, non, non. Et justement, et ça, c'est honnêtement une de mes plus grandes victoires. Ces personnes-là qui sont un petit peu réfractaires et j'arrive quand même à ramener vers le yoga et qui prennent goût et qui se rendent compte que ça leur fait du bien et que c'est exactement ce dont elles avaient besoin. Ça, j'avoue, c'est vraiment une très grande satisfaction. Et surtout, il faut tester. Il faut pas hésiter à tester avec plusieurs personnes, plusieurs professeurs, plusieurs types de yoga. Parce que parfois, une personne va aimer une pratique dynamique. Bah, c'est sûr que si elle va à un cours de yin yoga, oui, elle va dire le yoga, c'est pas pour moi, mais c'était juste le type de yoga qui n'était pas adapté à ses attentes. Quelqu'un qui veut, au contraire, se détendre, méditer, se relaxer, s'étirer et qui va à un cours de vinyasa ou de power, bah oui, c'était pas ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Donc, il faut vraiment se renseigner parce qu'il y a un yoga pour tout le monde et tout le monde pas raison, mais tout le monde bénéficierait à faire du yoga. Il faut trouver l'activité qui nous correspond, qui nous fait plaisir. Ouais. On n'y va pas à reculons et on y prend du plaisir et on sent que ça c'est bénéfique pour nous. Effectivement, je pense que le mieux dans ce cas-là, c'est de tester. Parce Ouais. que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui testent un sport, ils disent, bah, t'as vu, hein, c'est pas fait pour moi. Hein. Bah oui, mais c'est normal, c'était pas le bon, quoi. Enfin, dans la vie, on fait plein de choses comme ça, on teste plein de choses, mais pour le sport, il y en a qui veulent pas tester. En fait, ils sont convaincus que le sport, c'est pas fait pour eux, alors qu'en fait. Oui. Ça n'a juste aucun sens en fait, quoi. C'est Ouais, forcément, ouais, ouais.
il y a des sports, il y a des activités physiques, et c'est pareil pour le yoga, c'est pareil. Puis aussi, tout bêtement, ça peut être aussi le ou la prof, hein. Des fois, il peut y avoir une Oui, affinité oui. particulière, qui se crée, C'est une énergie important. particulière qui ne Oui. matche pas. Donc voilà, il faut tester, quoi. Oui, Et justement, c'est par rapport important. à l'intestin irritable, est-ce qu'il y a des yogas en particulier, enfin plutôt un type de yoga qui va être bénéfique? Et autre question, est-ce que justement, dans la partie connexion au corps, est-ce que peut-être des massages, par exemple, peuvent être aussi être utiles, des massages au niveau du ventre, etc. Est-ce que toi, tu conseilles des choses comme ça? Ouais, complètement, complètement. Alors, pour le yoga, les cours de yoga, en tout cas moi, que je donne pour les troubles digestifs, donc moi j'ai donné un petit nom mignon à mes cours de yoga, c'est les cours de yoga bido friendly. C'est souvent une pratique très douce parce que voilà, quand on a des troubles digestifs, on n'a pas forcément envie de faire des acrobaties sur les tapis, donc c'est plutôt des cours de hatha assez doux, des cours de yin yoga aussi, donc un yoga très lent dans lequel on va tenir les postures pendant plusieurs minutes, c'est beaucoup d'étirements. On atteint les tissus profonds qui sont les fascias. Donc là aussi, c'est un travail en profondeur. Et c'est aussi des postures en particulier qui vont solliciter la sangle abdominale et qui vont pouvoir masser, compresser, étirer les organes digestifs. Donc c'est souvent hein, les postures de torsion, les postures de flexion avant, flexion arrière, où on va vraiment solliciter cette zone-là. Après, n'importe quel cours de yoga, forcément, fera du bien. Voilà, tant qu'on bouge, tant qu'on est sur son tapis, ça fait du bien. Mais moi, en tout cas, mes cours de yoga pour la digestion, je les construis autour de ces postures et de cette lenteur et de cette douceur dans la pratique. J'aime aussi beaucoup inclure des exercices de respiration, notamment respiration ventrale, abdominale, pour la digestion, mais aussi j'ai beaucoup de cours de yoga pour le ventre qui sont axés système nerveux. Donc, on va aussi beaucoup travailler tout ce qui est l'activation du nerf vague, donc qui relie le cerveau à l'intestin. Et des exercices de respiration visant à apaiser le système nerveux. Et de la méditation aussi. Ça aussi, voilà, toujours dans l'idée d'apaiser l'esprit et le corps. Tout ça, c'est bon, en fait, pour la digestion. Et pour les massages, oui, je les conseille à 100%. Massage abdominal, notamment, si possible, avec des huiles essentielles adaptées. C'est encore mieux, donc ça, c'est encore plus puissant. Donc, notamment les huiles essentielles de basilic tropicale, par exemple, ou de menthe poivrée, mélangée à un petit peu d'huile végétale. Ça peut être une des huiles qu'on a dans sa salle de bain ou même dans sa cuisine, hein, huile de coco, par exemple. Et se masser dans le sens du transit, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas hésiter à appuyer aussi sur les zones un peu gonflées, un peu douloureuses. Voilà, essayer de faire circuler tout ce qui stagne. Moi, je sais que j'aime bien, même sans forcément utiliser d'huile, mais le matin, avant de me lever, c'est quand le ventre est vide, on n'est pas sur la digestion. Et j'aime bien activer un peu la digestion à ce niveau-là le matin, quelques minutes avant de me réveiller, et ça fait toujours du bien. Donc, ouais, des massages abdominaux très bénéfiques pour la digestion. Voilà, toujours dans le but de remettre en mouvement, parce qu'encore une fois, je pense que c'est une partie Toujours. importante à comprendre, c'est le mouvement hyper important Ouais. pour l'intestin. Donc on a parlé un peu d'alimentation, on a vu que c'était compliqué l'alimentation. On a parlé un peu donc d'activité physique, de stress. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu interviens, où tu conseilles de faire attention? Alors, je penserais un peu au sommeil ou C'est ce que j'allais te dire, le sommeil. voilà. Ok, C'est parlons-en un petit le peu alors. pilier. Ouais. C'est le En pilier. quoi le sommeil va impacter notre système digestif alors? Bah, la digestion se fait aussi la nuit. Donc, le processus de digestion, de détoxification aussi du corps se fait la nuit. Si on se couche tard, si on n'a pas le quota d'heures de sommeil qui nous convient pour bien fonctionner dans la journée, forcément, ça va perturber la digestion. Et le fait de ne pas avoir un bon sommeil aussi, ça va Vas-y, vas-y. avoir un impact sur notre comportement aussi le lendemain, et notamment notre comportement alimentaire. Ça va dérégler un petit peu nos hormones de la faim, de la satiété, la leptine, la ghréline.
On va avoir envie, souvent, on n'a pas vraiment envie de brocoli et de carottes. Les jours où on est fatigué, on a plutôt envie de se tourner vers des choses bien grasses, bien sucrées ou bien salées. Manger aussi plus que ce dont notre corps a besoin. Et tout ça, ça va aggraver notre digestion. Donc, le sommeil est vraiment important. On a tous expérimenté hein, une mauvaise nuit et on voit comment on peine à fonctionner le lendemain à tous les niveaux et notamment au niveau de la digestion. Donc, ouais, point d'honneur au sommeil, se coucher à une heure correcte. C'est pas de se coucher à 21 h, mais bon, ça pourrait être très bien, hein, mais voilà, ne pas essayer de se coucher en tout cas avant minuit. Les heures de sommeil avant minuit sont très très importantes. Et voilà, avoir des conditions aussi de sommeil adaptées pour un sommeil de qualité. Ouais, je pense que c'est souvent un peu le maltraité de notre monde moderne, le sommeil, parce que beaucoup de gens, en fait, veulent avoir un peu du temps pour eux, c'est ce qui est normal, en fait, et souvent ils prennent le soir, parce que quand tu es salarié dans une entreprise et que tu travailles du matin à l'heure jusqu'au soir pour quelqu'un d'autre, on va dire, tu vas dire, ah, j'ai pas eu de temps pour moi, donc du coup, tu vas le prendre le soir pour toi, entraînant, etc. Mais en fait, c'est un moment, tu vas le payer, en fait, ça. Disons qu'une mauvaise nuit de sommeil, ça peut être rattrapable, mais quand c'est tous les soirs de la semaine, pendant des mois, etc., à un moment, je pense que tu vas le payer, en fait. Et malheureusement, en fait, c'est dur. Enfin, on peut pas rattraper enfin, je pense qu'on peut pas rattraper un sommeil qui est mauvais. Et il faut essayer de le sacraliser, le sommeil, je pense, vraiment. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important pour la santé, à quel point, en fait, la nuit, le corps se répare, il y a plein de processus naturels dans la nuit qui se passent et qu'en fait, une mauvaise nuit de sommeil peut littéralement ruiner tous nos efforts. C'est-à-dire que si on fait de l'activité physique, si on mange bien, si on fait attention, C'est hein, ça. etc., mais qu'on a des nuits de sommeil pourries, on peut littéralement ruiner nos efforts, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, je suis d'accord et c'est pour ça que des fois on porte son attention, toute son attention sur un domaine en particulier, par exemple l'alimentation. On va mettre un point d'honneur sur comment bien s'alimenter, etc. Mais à côté de ça, si le sommeil n'est pas bon, ça aura aucun impact. Il n'y aura pas de résultats positifs. Et pareil pour l'activité physique. On peut se défoncer au sport. Et encore, là, ce serait néfaste s'il y a un sommeil de mauvaise qualité et en trop trop petite quantité, et à côté de ça, on fait quand même une activité physique intense, bah, le résultat va être plus néfaste que bénéfique, alors que le sport est bon. Mais si on fait du sport sur un corps déjà fatigué, déjà épuisé, ça aura un effet complètement délétère. Donc, ouais, un point d'honneur sur le sommeil, et c'est ce que je dis souvent en consultation, c'est que si déjà ces gros piliers comme le sommeil sont appliqués, ça vous facilitera la tâche sur tout le reste. Parce que des fois, la mauvaise digestion peut être à cause d'un mauvais sommeil. Alors, on aura beau mettre toute notre énergie dans l'alimentation, ça servira à rien. Alors que si on prend soin du sommeil, bah, on se prendra beaucoup moins la tête aussi sur l'alimentation parce qu'on digérera beaucoup mieux. Et donc, on se rendra compte que la problématique n'était pas dans l'assiette. Donc, ouais, sommeil hyper important. Moi, je sais que mon sommeil est sacré. Tout le monde le sait autour de moi. Même quand je mange dehors le soir ou autre, tout le monde sait dans mon entourage que je déteste rentrer tard. On peut aller manger dehors, etc. Mais je sais que passer une certaine heure, bah, le lendemain, ça va être compliqué, quoi. Bon, il y a l'âge aussi. Plus l'âge, plus on avance dans l'âge et plus c'est compliqué. Mais on sait qu'une seule mauvaise nuit, le lendemain, tout est compromis. Donc, ouais, le sommeil est hyper important. Moi, je sais que moi, je suis un peu comme toi, pareil. J'aime pas forcément rentrer tard. Et quand je fais des petits excès, en général, moi, je le paye bien le lendemain. Effectivement, je pense qu'il y a une histoire d'âge, puis aussi une histoire que quand on fait attention à sa santé, on est peut-être encore un peu Oui, plus sensible. Tu vois, des gens qui exactement. font pas gaffe, toi, qui fument, qui sont sédentaires, qui mangent mal. Bon, enfin, finalement, leur corps est tellement dans un mode panique que pour une nuit de sommeil en plus ou en moins, ça change pas grand-chose, en fait, quoi. C'est Mais ça. quand tu fais Et attention à puis ils ta sont santé, tu déjà. ressens beaucoup. Ouais. Et puis, Vas-y, vas-y. moi, ce que je vois aussi en consultation, c'est que quand déjà ta santé, elle est pas au top,
T'arrives plus à distinguer quand tu te sens vraiment mal ou quand tu te sens mieux, Bah parce que tu es toujours dans un état un peu bof. Donc, tu te rends un pas peu compte de ce que moyen, tu quoi. fais au quotidien. Ouais, voilà, c'est un peu moyen et tu te rends pas compte que ce que tu fais, ça contribue à cet état moyen. Alors que quand, moi je le vois avec mes clientes, hein, quand elles se sentent mieux, bah là, voilà, une nuit où elles sont rentrées plus tard, où elles n'ont pas assez dormi, le lendemain, elles se rendent vraiment compte de l'impact de ce manque de sommeil. Pareil avec l'alcool, pareil les choses comme ça, alors qu'avant, bah, elles pouvaient boire un peu plus régulièrement, mais comme elles allaient déjà pas très bien au niveau du ventre, elles se rendaient pas compte de l'impact de ce verre d'alcool sur leur digestion. C'était un peu foutu pour foutu, quoi. Alors que quand elles se sentent mieux, bah là, tout de suite, ah oui, je vois à quel point ça impacte ma digestion. Donc ça permet aussi de rétablir un peu l'équilibre à ce niveau-là. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'en expérimentant une super santé, bah on est beaucoup plus sensible aux excès, Ouais. ma foi. C'est bon, c'est une bonne chose, je pense, au final, quand Oui, parce que même. ça incite à prendre davantage soin de soi et de Eh voir ce ben qui oui. est. Ouais. En général, la fin, elle est quand même plus joyeuse quand on prend soin de sa Oui. santé sur. Mmh. Voilà. Parce que les gens, voilà, qui. Enfin, on fait une petite digression, mais c'est vrai que, je sais pas ce que tu en penses, mais les gens, c'est qu'ils disent, ouais, moi, je suis un bon vivant, j'aime bien, voilà, profiter de la vie, c'est genre, alcool, coucher tard, excès en tout genre, Mmh. enfin. Enfin, comme je disais tout à l'heure, à un moment, faut payer l'addition, quoi. Et cette addition, quand il faut la payer, elle est pas très drôle, quoi. Parce que souvent, ces gens, je pense, enfin, là, ils pensent en fait qu'ils vont mourir de leur belle mort, en fait, c'est qu'ils ont fait plein d'excès et qu'un jour ils vont pas se réveiller. Non, ça marche pas comme ça en fait. C'est qu'un jour leur corps va lâcher, mais ça va être très progressif et qu'en général, Ouais. c'est rarement toi binaire, c'est que bah tu peux avoir un problème, je sais pas moi, cardiaque, intestinal, enfin plein de choses. Et là en fait aujourd'hui où c'est un peu problématique, c'est que la science et la médecine ont fait tellement de progrès qu'ils vont pouvoir te garder en vie très longtemps. Mais que tu seras en vie, mais tu seras dans un état catastrophique parce que tu seras sur un traitement médicamenteux très lourd, tu auras plein de consultations à faire, tu as des examens à faire tout le temps, et ça peut durer très longtemps cette histoire en fait, et ça peut littéralement ruiner ta vie, quoi. Donc les gens Ouais, qui disent je suis un bon vivant, ouais. ben faut se méfier parce que le bon vivant peut devenir derrière une vie avec plein de contraintes, mais d'une force, ils imaginent même pas, quoi. Je suis entièrement Voilà, d'accord, petite discrétion. entièrement d'accord avec toi. Et c'est souvent ce genre de personnes aussi qui catégorisent les personnes qui prennent soin de leur santé comme étant des personnes un peu boring, un peu ennuyeuses. Tu vois, oh là là, tu fumes pas, oh là là, tu bois pas. Mais comme enfin moi c'est ce que je dis toujours, c'est j'ai pas enfin c'est pas parce que je bois pas d'alcool, c'est pas parce que je fume pas que bah, que je suis pas heureuse, que je m'amuse pas, que je peux pas, voilà, je suis là en fait. Et c'est souvent un contexte social, tu vois, tu es dehors, tu bois un verre, ouais, tiens, prends un petit verre d'alcool. Ben non, en fait, j'ai pas besoin de ça pour bah, pour être bien, pour profiter avec vous, pour m'amuser, j'ai pas besoin de ça du tout. Et c'est souvent tu vois, catalogué alors que, voilà, comme tu dis, moi je pense que nous, les gens chiants, je pense qu'on sera bien contents plus tard de notre corps, de notre santé et de l'état dans lequel on est à 60, 70, 80 ans, quoi. Donc, ouais, je partage ton opinion à ce sujet. Pour revenir au syndrome de l'intestin irritable, ce serait quoi aujourd'hui ton meilleur conseil à quelqu'un qui aurait bah, ce syndrome-là ou qui aurait une suspicion de enfin qui aurait un doute. C'est quoi ton meilleur conseil concret à lui donner pour l'aider? Alors, il y en aurait plusieurs. Le premier, c'est, alors c'est encore très cliché, hein, mais vraiment de se faire accompagner Bon, pour on est plus à ça éviter près maintenant. de. Voilà, on est dans les On a fait beaucoup de clichés, clichés, donc. donc. Mais se faire bien accompagner pour éviter, en fait, déjà de perdre du temps et de divaguer et d'essayer plein de choses en même temps qui ne correspondent pas forcément, ou parce qu'on voit tellement de conseils sur notamment sur Instagram, sur YouTube, dans les magazines, que on a l'impression qu'il y a plein de choses à faire, alors que des fois non, c'est en fonction des personnes, c'est simplement peut-être 3 ou 4 conseils à mettre en place, pas plus, qui seraient la clé et la solution. Donc se faire bien accompagner pour avoir un cadre. Un protocole à suivre qui soit vraiment adapté et individualisé.
Aussi, pour les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, c'est un peu paradoxal, mais ne pas suivre, alors encore une fois, ça dépend des personnes, hein, mais ne pas suivre les conseils alimentaires généraux, globaux, tu vois, qui seraient bénéfiques pour la majorité des personnes. Mais là, je pense par exemple aux fibres, aux probiotiques, aux aliments complets. Tu vois, quelqu'un qui a le syndrome de l'intestin irritable, ben non, manger encore plus de fruits, encore plus de légumes si la personne est constipée, par exemple, ce sera pas forcément la chose qui va lui convenir le plus. Pareil pour les aliments complets. Bien sûr que les aliments complets sont bénéfiques, ils ont des vertus nutritionnelles pour quelqu'un qui a déjà une sensibilité digestive. En tout cas, de manière temporaire, c'est peut-être pas la chose à privilégier. Pareil pour les probiotiques. Tu vois, si le syndrome de l'intestin irritable est lié à un SIBO, qui est déjà une prolifération bactérienne, bah, si on rajoute des probiotiques qui en soi sont très Eh bons pour la oui. santé, encore une fois, toutes ces choses-là sont bénéfiques. Mais si on vient rajouter des bactéries, on alimente en fait cette prolifération qui va accentuer les symptômes. Donc voilà, faire un petit peu attention à ces éléments-là, en tout cas au début, dans un but de soulagement déjà. Ensuite, bien sûr que quand ça va mieux et qu'on retravaille, qu'on reconstruit un petit peu la flore intestinale, qu'on renforce le microbiote, bien sûr que là, on va pouvoir petit à petit réintégrer des probiotiques, des aliments complets, etc. Mais dans un premier temps, pour apaiser l'inflammation, pour soulager la digestion, ce n'est pas les choses qui vont forcément être bénéfiques. Ok, super intéressant, effectivement, parce que souvent les gens sont tentés de trouver un peu la checklist parfaite et ils vont les voir sur plein d'environnements différents, comme tu dis Instagram, YouTube, etc. Et souvent on peut faire plus de bêtises qu'autre chose en fait si on fait les choses mal, donc autant se faire accompagner. D'ailleurs, si les gens veulent travailler avec toi, on mettra les coordonnées du coup de ton site et de ton Instagram en description de cette vidéo, comme ça les gens pourront te contacter si ils veulent en savoir plus donc sur ton activité de naturopathe spécialisé dans les syndromes de l'intestin irritable et cours de yoga aussi, pourquoi Avec pas. plaisir. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Marina? On va bientôt du coup arrêter cet entretien qui est passionnant, mais ma foi, toutes les bonnes choses ont une fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour voilà, conclure, pour je te laisse le mot de la fin. Moi, par rapport au syndrome de l'intestin irritable et troubles digestifs, ce que j'aime toujours rappeler aux personnes, c'est que le corps, c'est une machine incroyable et que le corps n'est pas contre nous, mais fait toujours de son mieux. Il fait toujours les choses en notre faveur et même si on a des symptômes, enfin quand on a des symptômes comme ça désagréables, inconfortables, les prendre surtout comme des signaux de notre corps, des messages qu'il nous envoie pour nous signaler que quelque chose, voilà, qu'il y a quelque Ne chose va à pas. revoir dans notre Ouais. hygiène de vie, remettre en fait un petit peu en question, être à l'écoute de son corps davantage pour le comprendre et pour pouvoir lui apporter réellement ce dont il a besoin. Tu vois, moi, quand ça n'allait pas vraiment le pic de mon syndrome de l'intestin irritable il y a quelques années maintenant, alors oui, il y avait quelques petites choses qui allaient toujours pas dans mon alimentation, mais c'était pas le plus gros du problème. Le plus gros du problème, c'est que j'étais pas du tout alignée dans mon travail. J'avais de la frustration, j'allais au travail à reculons, j'avais la boule au ventre. Donc, tu vois, même toutes ces expressions, elles sont là pour quelque chose, elles sont très parlantes. Et alors, oui, c'est des remises en question qui sont pas évidentes. C'est pas forcément donné à tout le monde de oh, bah, ok, j'aime pas mon travail, bon, bah, je le change. Je conçois que ça peut être très compliqué. Mais en tout cas, au moins, prendre conscience de ces choses-là. Et j'ai plein d'exemples avec mes clientes hein, de remises en question comme ça dans certains domaines de leur vie. Et de travailler sur ces domaines-là leur a permis de gagner en apaisement, en sérénité, de se réaligner un petit peu dans leur vie et de forcément retrouver aussi la paix au niveau de leur ventre. Donc voilà, le corps est très intelligent, est une très belle machine et tout ce qu'on expérimente, c'est aussi un reflet de notre état interne. Tous les symptômes physiques sont le reflet de notre émotionnel un petit peu. Donc voilà, être plus à l'écoute pour répondre à ses besoins et le chouchouter. Voilà, moi j'essaye aussi
de promouvoir la bienveillance et l'indulgence envers soi-même. Bon, j'essaie de l'appliquer au maximum avec moi, hein. Des fois, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, je l'applique aussi à moi-même au maximum. Et voilà, se faire du bien au maximum, parce que notre corps le mérite et c'est tout ce qu'il demande en fait. Ouais, j'aime bien cette idée effectivement de, enfin ce que tu as dit tout à l'heure, de faire des changements qui vont nous emmener dans un cercle vertueux. Parce que aujourd'hui, peut-être que si les gens ont des symptômes pas très cool, c'est comme tu disais, parce qu'ils ont des choses qui ne tournent pas rond et que peut-être plus tard, ça va malheureusement engendrer d'autres problèmes. Et le fait de se dire, tiens, si je changeais des choses dans ma vie, si je prenais soin de mon corps, etc., ça va emmener en fait vers une bonne dynamique. Refaire du sport, Complètement. reprendre soin de son sommeil, ce qu'on a dit. S'interroger sur son mental, dire, tiens, est-ce que dans ma tête, tout va bien? Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que j'aime ma vie de couple? Est-ce que j'aime là où j'habite? Enfin, et ça peut être finalement une sorte de grosse remise en question très positive au final qui va se mettre en route. Et ce sera au final que pour du mieux. Donc, je pense qu'il faut voir effectivement ça. C'est un peu dur parce que je sais que les malades, ils aiment pas entendre cette phrase-là, mais parfois, il faut voir certaines maladies comme une sorte de bénédiction qui finalement est un signal d'alarme avant d'aller à des choses plus graves. Donc voilà, autant le prendre comme ça finalement, c'est voir le verre moitié plein Exactement. et je trouve ça C'est un petit plutôt peu chouette quoi. le principe de... Attends, c'est quoi? Ah oui, c'est le principe de la plume, la pierre et le camion. Je ne sais pas si tu connais Non, ça. je connais pas, non. Mais c'est la vie un petit peu qui t'envoie une plume, c'est un petit message. C'est, tu vois, ça peut Ah. être un petit symptôme inconfortable. Tu peux OK. choisir de t'en occuper et voilà, c'est fait, c'était juste une plume, c'est une petite caresse, ou tu peux choisir de l'ignorer, de continuer ton chemin, et là, la vie, elle t'envoie une pierre. Donc, ça fait un petit peu plus mal, quoi, mais tu peux encore choisir, bah, là, de prendre les OK. choses en charge ou de l'ignorer. Mais bon, après, une fois que la vie, elle t'apporte le camion, c'est pour bien que tu comprennes, mais par contre, le camion, là, il fait très mal. Donc, Il fait s'occuper des mal. choses quand c'est encore la caresse d'une petite plume pour ne pas avoir à se prendre le camion en pleine face OK. plus tard. Moi, j'avais une version qui était un peu différente, mais qui est un peu dans la même idée, c'est que la vie t'envoie parfois des cadeaux qui sont mal emballés. Autrement dit, ça ressemble pas à un cadeau, ça ressemble pas à un cadeau. C'est parce que ça ressemble à rien, mais en fait, si, c'est un cadeau quand même, quoi. Donc voilà. J'aimais Je cette suis expression d'accord. aussi. En tout cas, merci beaucoup Marina pour cet Bah, entretien, merci c'était à toi, Wilfried. passionnant. Encore une fois, si les gens veulent travailler avec toi, on mettra tes coordonnées dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram de Marina. Vous allez apprendre pas mal de choses sur le syndrome de l'intestin irritable en particulier et plein de choses intéressantes sur la santé en général. Et peut-être à une prochaine fois pour d'autres vidéos, qui sait. Avec grand Et plaisir. voilà, très bonne continuation à toi Marina et puis voilà, à bientôt. Ciao. À bientôt, Wilfried.